Hallo. Meneer, is dat ook als je geluid... Ja, dat is allemaal goed. Je loopt een kabel zo'n dikke. En volle ruimtes onderzoek. Doe zo'n muur daar of zo'n muur daar, dat gaat niet zo'n gigantisch verschil maken. Deze is die ruimte. Dat gaat niet zo'n verschil maken. Zo. Hier heb je het juist hetzelfde gerestaureerd dat als daar. Dat is juist hetzelfde. Dus dat mag niet zoveel later in het daglicht. Nee, maar ik heb het niet over hier, ik heb het over daar. Die laatste, die heel die rij, ijzeren, die constructie daar. Dat is prachtig gewoon als je dat gaat zien. En hier is gewoon niks. Ik zeg het buiten de lettertjes A, B, C tegen de muur daar. Is er gewoon niks wat je kunt uitlichten. Ik kan maar zeggen, we gaan echt alleen onze eigen spulletjes kunnen uitlichten. Niks. On cherche un lieu avec caractère pour utiliser des éléments qui sont déjà là. Et ici, quand je regarde, il n'y a plus rien authentique. C'est un ERP première catégorie, établissement recevant du public. Donc ça correspond forcément aux normes commerciales en vigueur actuellement sur la législation française. Ici, vous avez toute une structure d'accueil. Ça répond aux normes de sécurité, incendie, etc., qu'on peut trouver sur un bâtiment. De toute façon, c'est un ERP. Nous n'avons plus le droit de présenter des spectacles dans des hangars désaffectés. Voilà, donc je reviens à vous. Si ça ne vous convient pas ici, il faut jouer au théâtre. Alors. Voilà. Donc, non, ou ailleurs. Non. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très personnel, pourquoi on ne joue pas dans un théâtre, mais en fait, je trouve aussi que c'est important d'exprimer cette foi qui dit qu'il ne faut pas que l'art ou les personnes, les personnalités de chacun doivent être résumées dans des normes. Le théâtre ne peut pas être compatible avec les instituts, ça doit être autre chose. Alors moi, je trouve que c'est important de donner des signes que ça vaut la peine de formuler des alternatives. C'est, en fait, c'est le meilleur remède, ça se dit, contre le cynisme. C'est entreprendre des choses comme ça. C'est bien pour l'âme. Ik weet niet hoe schoon. Dat heb geen decor niet meer nodig. Die paletjes. Geen decor nodig. Je moet er niet veel meer doen. Hè? Et là, je pense qu'on doit on peut travailler. Peut-être se mettre sur la poutre en bois, là. Oui, on va utiliser ce qu'il y a. Je schrijft dat je aan de praat krijgt. Dat is een goed teken, natuurlijk. Hè. Normaal gezien is het af zo, maar dan blijft hem niet draaien. Dan doet hem eigenlijk niks. Dat gaat hem hier tegen kijken.
nam nooit een contract meer van dit. Nee, niet wel. Ik ben aan de doeken. Ma mère se fait des soucis au sujet de mon père. Parfois, elle essaie encore de s'entretenir du magasin avec lui, mais elle devient alors nerveuse, se réfugie dans un coin de la chambre et pose son oreille sur une fente du parquet, tandis qu'il pointe un doigt dans les airs pour bien souligner que sa recherche est de la plus haute importance. Ma mère n'a aucune influence sur lui, alors que pour Adèle, il a le plus grand respect et elle l'écoute. Tout ce qu'Adèle fait semble avoir une signification plus profonde et symbolique pour lui. Le balayage de la pièce est à ses yeux une cérémonie de la plus grande importance à laquelle il ne manque jamais d'assister. Lorsqu'Adèle recule le plancher avec des gestes jeunes et hardis, les larmes montent aux yeux de mon père. Mon père est très sensible au chatouillement, il est vrai, mais il suffit qu'Adèle pointe un doigt vers lui et esquisse un mouvement de chatouillement pour qu'il s'enfuit dans une terreur panique, passant de plus en plus et claquant les portes derrière lui pour finir par tomber sur le lit de la dernière chambre convulsée de rire. Adèle a de ce fait un pouvoir absolu sur mon père. Mon père est aussi fasciné par les animaux. Pour le moment, il s'occupe de couver des œufs d'oiseaux. D'aussi loin qu'en Hambourg, la Hollande, des jardins zoologiques africains, il fait venir des œufs d'oiseaux fécondés qu'il donne à couvrir de grosses poules belges. C'est passionnant pour moi aussi. Un si petit oiseau qui sort son œuf, c'est dans des paniers garnis de boîtes qui nichent les futurs pains et faisans. Comme un jardinier, mon père va et vient entre ses planches pleines d'œufs. Et quand. Avec un tablier. Avec un tablier vert, avec un tablier vert entre ses planches pleines d'œufs. Et quand ils éclosent, nos chambres se remplissent de duvets et de piano. On trouve des oiseaux partout dans la maison, sur la lustre, sur la noire, ou encore pendus au rideau. Ou à allô, Godverdomme cut. Allô. Godverdomme cut. Allô. Hoor je me niet, cut. Er is iets met mijn gsm, dat is strontvervelend. Mon père est aussi fasciné par les animaux. Pour le moment, il s'occupe de couver des œufs d'oiseaux. Aussi loin qu'en Bourg, là, ou en des jardins zoologiques africains, il fait venir des œufs d'oiseaux fécondés qu'il donne à couver à de grosses poules belges. C'est passionnant pour moi aussi, hein, un si petit oiseau qui sort de son œuf. Ah, ik moet een horloge hebben, dat is juist. Kijk op mijn horloge. Quand je dis mannequin, je ne veux pas dire une figure de cire, hein, comme Napoléon ou Edison chez Madame. Hein? Jacques. Ah oui, c'est ça. C'est ici, hein. Ouais. Dus de, alors, l'image... La ressemblance du mannequin. Ja, ja. De dame, we beginnen terug. Position de départ. Et pas tout. Le style de cette ville n'était pas approprié à la région. C'était trop tropical, trop épicé. La première chose que j'ai vue, un grand étang desséché autour duquel la terre était craquelée par le soleil. Mm-hmm. Moeten we nu even dit hier weer lezen? Non, Maya. De man, il faut qu'on décide maintenant combien de portes on veut casser. Ik zou de laatste laten. Die twee... Ah, die hebben we het voor te bouwen. Ja, die zijn er al. Hoeveel is het voor te bouwen? Dat is al veel duurder. Dat is nog niet gezegd. Ja, maar weet je wat, we slagen hem al uit. En zelf terug met z'n... Dat is u? Terug met z'n. Is er een nieuwe prijs? Nee, het is nog duurder. Het is al hier voor 80 euro, hier een muur, 34 euro. L'initiative est venue de la part de Chris, mais le nom de Bruno Schulz, on l'a lu pour la première fois. Moi, je l'ai lu pour la première fois dans les journaux de Witold Gombrowicz, qui est mon auteur préféré il y a des années, déjà, il y a 12 années, 13 années, exact, pour être exact. Et Chris a alors acheté... une boutique de cannelle, il a lu ça et il a dit, mais je ne l'ai pas pris au sérieux, que c'était la plus belle chose qu'il a lue depuis toujours. Et après, en plus, la traduction en néerlandais était incroyable. Avant de la faire,
Ja, hij zegt ook dat hij altijd hem geen inspiratie kon vinden. Hij zei van, buiten zijn vader. Ja, of gewoon buiten dat thema wat hem al behandelde, zijn jeugd en zijn vader. La nostalgie de l'enfance. C'est vrai parce qu'on a, on avait pour les costumes, on a toujours, on a eu longtemps une discussion. Si lui, c'est un enfant ou c'est pas un enfant. Si alors il y a la nostalgie de l'enfance et après il y a une pensée qui est tout à fait la même que Gombrowicz. Witold Gombrowicz dit c'est mon idéal est de mûrir pour atteindre l'enfance. C'est ça, hein? Ce que vous dites à propos de notre enfance artificiellement prolongée, de notre immaturité, me désoriente quelque peu. Car j'ai l'impression que le type d'art qui me tient à cœur est justement une régression, un retour à l'enfance. Si seulement on pouvait inverser le cours de l'évolution, retrouver une seconde enfance par un chemin détourné, éprouver une fois encore sa plénitude et son immensité, alors ce serait la réalisation parfaite de l'époque des génies, de ces temps messianiques prédits et affirmés par toutes les mythologies. Mon idéal est de mûrir pour atteindre l'enfance. Au fond, c'est peut-être ça la vraie maturité. Le livre de Schultz, ou le travail de Schultz, l'œuvre de Schultz, est une pure manifestation de l'art. Manifestation. Ja. Avez-vous déjà remarqué que entre les lignes de certains livres des nuées d'hirondelles s'envolent ? Des nuées d'hirondelles frémissantes. Eh bien, c'est le vol de ces hirondelles qu'il faut lire. Il ne faut se méfier que d'une chose, l'étroitesse d'esprit et la littéralité obtuse. En lisant le texte La beauté, qui m'a surpris, ou enfin qui m'a touché, mais il y avait aussi beaucoup de... comment dire, mystère, mais c'est un peu trop. Enfin, beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans le texte. Et le plus bon moyen de comprendre le texte, c'est faire un spectacle de ça, parce que tu passes beaucoup de temps avec Schultz et c'est quelqu'un dont c'est bon de passer beaucoup de temps avec. Hein. Et il y a des textes comme Shakespeare où de plus long que tu travailles sur le texte, de plus que tu découvres dedans. Et c'est la même chose avec Schultz. Le créateur n'a pas eu le monopole de la création. Tout le monde peut créer, ce n'est même pas difficile. La matière est si impuissante que tout le monde peut la remanier et la remodeler. Toutes les formes de la matière ne sont que temporaires. Peu importe que l'on détruise certaines formes de vie. Le meurtre n'est pas un péché, bien au contraire. Il est même parfois nécessaire d'employer la violence contre ces formes désuètes d'existence qui ne sont plus intéressantes. D'ailleurs, la matière morte, la matière inerte n'existe pas. La mort n'est qu'une illusion derrière laquelle des formes inconnues de vie se cachent. Dieu disposait de recettes de création très intéressantes qui sont perdues à jamais, mais ne nous laissons pas abattre. Il reste bien d'autres méthodes, quoique illégales. D'ailleurs, nous avons vécu bien trop longtemps dans la terreur de la perfection de Dieu. Bien trop longtemps, la perfection de sa création a paralysé notre propre créativité. Attention, nous ne voulons pas lui faire concurrence, nous voulons être des créateurs à notre propre titre, dans notre sphère personnelle. Il ne s'agit pas pour nous de fiabilité de l'exécution, nous ne créons pas pour l'éternité. Nos créations seront, pour ainsi dire, provisoires. Nee, ik heb hem ook niet, hè. Nee, is goed. Je moet kunnen... moet je aan mijn ding brengen? Een ding aan mijn ding! Ah, ja. Ça, c'est une autre histoire. Joseph, ton ami Rodolphe est là. Ja, Chris komt van ginder achter. En dan roept Dinger.
Paul down, too. Mais ça on s'appelle fait... comment les professions avec les mains, ce sont des... Oui, c'est plutôt voilà. Quelque chose d'artisanal, c'est ça. Mais si tu dis artisan ou créateur de théâtre, on trouve que c'est trop blasé, on n'aime pas. Alors on ne sait pas trop bien quoi dire. Non, c'est plutôt artisanal alors. Oui. On vend le spectacle, on... On fait le transport. On fait la traduction, l'adaptation, on fait... La scénographie, on a fait le gradin nous-mêmes. Vaz a fait le fer. Et Kuhn et moi, on dessiné. Scier le bois. Mais ça provoque que tu ne vis pas au-dessus de ton niveau, que tu ne deviens pas ni un bureaucrate, ni un intellectuel, ni un metteur en scène. C'est bien pour être planté dans la réalité en toutes ses facettes. Jamais arriver ici, quelqu'un de nous ne va jamais arriver ici et se demander pourquoi le bar est installé là-bas, parce que c'est sa propre décision aussi. On a décidé de l'installer là-bas et comme ça, on a décidé de... Oui, personne ne va se plaindre qu'il fait froid, parce que c'est ce qu'on a voulu. C'est vrai que quand il fait froid, c'est mieux quand il ne fait pas froid, mais on a vraiment voulu essayer ça. Alors, c'est vrai qu'on supprime les raisons pour se plaindre aussi, parce que c'est dans nos propres mains. Par là et après il voit tout le cours parce qu'on va un peu illuminer tout un peu pour qu'il voit la longueur. Alors il entre par ici on va encore l'ajuster un peu et nettoyer, mais c'est la caisse, l'accueil. Alors ici, avec c'est de la lumière rouge. Avec de la lumière rouge, il y a des... Très bien, oui. Et des photos de femmes nues. Voilà. Manteau de bison et c'est l'accueil. C'est l'accueil. C'est là que vous faites les billets, tout ça, enfin, je veux dire, les invités, tout ça. Oui. Ici, c'est le bar. Ici, on va mettre des billets avec des manteaux en laine. Pour le spectateur, on n'a que 60 manteaux, mais Tâche, chaque soirée, fait un autre manteau. Parce pendant qu'on le a... spectacle. Pendant le spectacle, parce que la couturière, tout le spectacle, il y a quelqu'un en train de coudre, parce qu'on a acheté des couvertures en laine, des grandes, et elle fait des manteaux comme on a déjà en laine chaque soirée. Ici, on va construire le bar. On fait un choix de dessin de shoot. Et on va les prendre partout. Il y a une dizaine. Et après, cette porte est toujours fermée. Alors on reçoit les gens ici et on donne gratuit du thé. Et s'ils veulent du thé avec de l'alcool, ils doivent payer 1 euro. Et on vend aussi du jus de pomme chaud avec de la cannelle. Et du café avec du cognac. Voilà. Mais le thé est gratuit. Ici, il y a la table pour le vodka. Et le... Alors que le public se met là. Et voilà. Nous. C'est 200, c'est ça ? Oui. Voilà, ça c'est le décor. Ah, je suis vraiment contente. Hein. Je disais à Chris, je suis vraiment contente. Ouais, c'est joli. Ouais, je suis vraiment ravie que ça se passe là. C'est beau, hein. Ok. Ah.
die naar daar gaat, dan hangt hij aan deze kant. Dan hangt hij aan deze kant. Ja, ja. Ik kan ook niet centraal staan natuurlijk. Nee. Maar natuurlijk wel, zoals ik hier speel, jij komt meer in die as of zo. Dat is wel zo. Terwijl zo en, zijn we veel meer... Ja, en we hebben dat nog, dat we het spelen. We hebben dat nog even spelen als we, dus we moeten een beetje naar daar. Dan zouden we de deuren naar die kant moeten en dan moeten we een stukje zo hebben. Dat kunnen we wel eens proberen. Ja. La colonne vertébrale du spectacle, en fait, la structure, c'est d'abord une monologue. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on aimerait bien que Chris ait tout simplement une petite table tout près du public. Et pour les scènes avec les femmes, on aura besoin d'un sofa. On a toujours voulu mettre un tout petit peu de plancher. Alors on a acheté un peu de plancher. On aime un peu un élément pour séparer un lieu d'un autre. C'est pour ça qu'il y a quelques portes. Ça donne aussi quelque chose d'une... on noemt dat huiskamers. D'une maison, d'une chambre à vivre, ça se dit. Un salon. Salon. Et l'atelier, ça c'était clair au début aussi, qu'on aimerait bien que Thijsje, qui est en fait une couturière, ait sa propre place pour continuer à travailler. Et en fait, ça n'a jamais été si évident, faire un spectacle, c'est-à-dire trouver une forme. Parce que normalement, le principe est toujours très simple, c'est ici il y a le public, les gradins, ici on joue et ici on ne joue pas. Il y a cette convention que quand on passe une certaine ligne, qui est ou bien un petit rideau, ou bien une armoire, ou bien un tas de chaises, mais il y a toujours cette barrière, jouer ou pas jouer. Et ici, c'est différemment, c'est pas si clair. Alors, on voulait mélanger le côté technique avec les éléments de décor. Et on voulait que ça ressemble aussi à un tournage de film. Et c'est vraiment overtuigd dat we daar een gordijn van hangen. De achterste? Ja. Dan vraag ik gewoon aan Koen om te zorgen dat de meter om de rails van daar in orde te brengen en de rails van daar. Je vais lire. Les fêtes ordinaires sont alignées dans le temps, enfilées sur son cours comme des perles. Ils ont leurs antécédents et leurs conséquences. Oké, ik zal nu even benoemen wat er moet gebeuren. Ja. Even luisteren, school. Nee, laat maar, school. Mag wat stil. Maar de vraag is of daar al iets ligt. Bij mij? Ja. Ik denk dat daar iets moet... Dat is de vraag, hè. Gaat jij de spullen halen? Dat pistool zou ik er zeker niet uit halen. Nee. Wat doe ik hier dan? Dat is nu mijn vraag. Terug met een frekkoot? Yep,
quand tu lis Schultz, c'est pas pour moi immédiatement clair que c'est un écrivain qui dessine aussi, ou dessine aussi, ou c'est un artiste graphique qui écrit aussi. Ça veut dire qu'il écrit avec des bildes, des images. Il dessine toujours des images, oui. Ça nous a permis aussi de créer des images et c'était quelque chose de nouveau pour nous. Par exemple, ici, quand on est avec les trois femmes dans le sofa, c'était important qu'on n'était pas comme ça avec les jambes, mais qu'il y a au moins un petit qui joue, qui n'est pas, qui est intéressant. Alors, c'est vrai qui que... Qui impose, je veux dire. Qui impose ? Qui est une pose. Qui est une pose, plutôt des poses. Il y a quelque chose d'une pose. Mais il y a des autres éléments dans le décor et dans la mise en scène où on est vraiment inspiré par les dessins de Schultz. Comme elle est charmante et heureuse, la forme d'être que ces dames ont choisi. Comme elle est belle et simple, la thèse qu'il vous est donnée d'exprimer par votre existence. Et avec quelle maîtrise, avec quelle subtilité vous vous acquittez de cette tâche. J'ai le plus grand respect pour le créateur, hein. Mais si je pouvais émettre une critique, je crierais moins de fond, plus de forme. Oh, combien une telle diminution de fond soulagerait le monde. Un peu plus de modestie dans nos intentions, un peu plus de retenue dans nos prétentions, et le monde serait parfait. On voulait la ligne de l'adoration du fils pour le père, mais qu'on voulait aussi un rôle actif pour celui qui parle. Alors il y avait ce rôle de celui qui décrit, mais on avait besoin, pour avoir quelque chose de vivant sur scène, d'un rôle actif pour le fils. Et on voulait un rôle actif pour ceux qui l'entouraient, Adèle, le père, les deux couturières et la mère. Alors on a cherché, très concrètement, on a cherché des contes avec le père comme sujet, mais aussi des récits dans lesquels il y avait des dialogues où on peut un peu modifier le texte pour avoir des dialogues, pour avoir du texte pour Adèle, les couturières et tout ça. Ça nous a donné un peu l'occasion de nous imaginer une maison où ils habitent tous ensemble, et dont le fils est là et... Imagine une toute autre histoire, que ce soit un peu actionnel, que c'est quelque chose qui se passe en ce moment et que ce n'est pas une histoire racontée. Dans le passé, oui. Parce qu'on a changé le temps. Hein. Chez Schultz, c'est écrit « Je me souviens tout en passé ». Nous, on a changé le temps pour que ce soit plus actionnel. Il ne fait pas que couver des œufs d'oiseaux. Hein. Dans notre grenier, il organise aussi des noces d'oiseaux. Il dépêche des marieurs et il attache des fiancées aimables et langoureuses à notre toit, de sorte que le toit de notre maison devient une véritable auberge à oiseaux. Toutes sortes de volatiles s'y retrouvent. Parmi eux, il y a des oiseaux à deux têtes, des oiseaux avec des ailes multiples, et il y a en plus des oiseaux estropiés qui boitillent dans l'air d'une seule aile maladroite. Là, moi, je le prends.
Et puis il y a ce moment de... Et après... Et puis... Moi je pense que je reprends mon truc. Peut-être que je reprends mon machin. Et en fait, j'en peux plus. Et peut-être, à mon avis, qu'à un moment, je prends une pause. Tu vois, tout d'un coup, comme, alors que j'étais comme ça, d'un coup, je prends et j'enlève mon truc et je dis, fais-le! Ce qui m'intéresse pour le mettre sur scène, c'est justement ce processus. Quelqu'un qui crée son propre monde, quoi que les autres en pensent. Oui. Et aussi, ça j'ai découvert assez tard dans son texte, qu'il y a aussi ce niveau politique dans le texte, là où il dit que l'album de Timbre lui a ouvert les yeux et que pour lui, cet album de Timbre est l'armée, ça se dit ? Pas l'armée, l'arme ? L'arme le plus puissant contre l'état de prose de François Joseph. Après l'exécution de Maximilien, Conchita s'enfuit du Mexique pour Paris avec sa fille à peine née. Oui, puis il me manque quelques timbres ici. Mais ici, pendant l'année 1900, une petite créole, une certaine Madame de V, se rend avec un faux passeport, accompagnée de sa petite fille et de son époux, Monsieur de V, de France en Autriche. À la frontière autrichienne. Ils se font arrêter par les gendarmes de François Joseph. Les gendarmes de François Joseph, Monsieur de V est immédiatement relâché, n'entreprend aucune tentative pour faire libérer sa femme et sa fille et retourne le jour même en France. Et ensuite, plus rien, plus aucune trace, on ne le trouve plus sur aucun timbre, disparu, envolé, volatilisé. Voilà. Vous pouvez donc imaginer ma stupéfaction quand je vis soudain Monsieur de V à côté de Bianca, dans cette moule blanche, au croisement de la rue des Fontaines et de la rue du Scarabée. Ce sera pour toujours mon mérite et ma découverte d'avoir identifié M. de V comme un personnage très suspect qui se fait passer ici pour le père de Bianca. Mais chut, le voilà. Pour moi, le fait qu'on choisit Schultz et que c'est un texte assez nuancé et compliqué, pour moi c'est déjà un geste vers le public que tu les prends au sérieux, que tu ne les traites pas comme des cons. Alors pour moi c'est dans tout ce qu'on fait aussi pour nous c'est très important que tout soit beau et c'est parce qu'on veut être fier dans l'environnement où on se présente, mais c'est aussi parce qu'on est convaincu du fait que le public note la différence entre quelque chose laid et quelque chose beau. Je mag niet te veel inspanningen doen, want anders kan een zweet bevriezen. C'est un faux barbe, mais il. Wat zegt dat groeien? Mais n'arrête pas à grandir.
van die gasten okay. Die in Brussel waren of voilà. Kijk, de eerste stap van de Brusselaars. Nee, verdwijningsrecht. Hij was een Brusselaar en hij pakte een omnibus van de Brussel naar Brussel Noord. Want dan moet er een recht hem af. Maar als hij zich vergist, hij stapt op hem direct. Zo, af naar beneden. 2005 sneeuwde het op de Seine. Ik moest opletten dat ik niet schoof. Voorrecht lopen. Jeroen, wij zijn nadoen dat jij bewoog op de Seine. Het is aan de andere kant van de tribune. Met zo'n stijf been. Die zit er ook maar spalgedings. Dat is ook maar hoe dat je het ziet. Hè. Ja, ja, dat is het. Nee, zie goed, hè. En 2005, il neigeait sur scène. Voel je wat de temperatuur is? Moi, je pense que c'est pas pure envie d'être de rompre avec cette convention que eux ils sont là et nous sommes ici et c'est parce que la convention est si fort installée que eux ils ont payé un ticket, nous on est dans une costume, alors tout le monde accepte que la relation est eux qui se taisent et nous on parle. Et je pense que c'est aussi tout simplement ne pas pouvoir supporter cette évidence qu'on a envie de rompre avec ça. Et
à part de ça, il y a aussi l'envie de recevoir les gens, de, parce qu'on a des subventions, et on ne veut pas les utiliser tout simplement pour nos salaires, mais on veut des couvertures en laine et pas en synthétique. On veut un gradin en bois parce que c'est plus beau, c'est plus agréable pour le spectateur. C'est aussi par pure envie de partager, c'est aussi ça. Un expériment. Il n'y a pas de personne avec des lunettes ce soir. Oui, là, il y a une personne, un homme avec des lunettes. Monsieur a-t-il des préjugés envers le principe d'individuation? Non. Monsieur est libéral. Vous ne demandez qu'à servir de la science. Cela va se faire, hein. Je reviens immédiatement. Non, mais quelque chose de plus. Joseph, ton ami Rodolphe est là. J'ai maintenant une répétition extraordinaire avec les figures de cire du grand musée ambulante des figures de cire qui doit encore rester absolument secrète. Répéter avec des personnages de cire n'est pas simple, hein? Et il y a des têtes couronnées parmi eux, hein? Voilà Napoléon, Bismarck, Maximilien. Ils ont tous conservé leur héroïsme d'antan, mais il est maintenant vide et dénué de sens. Leurs idées, tout autant qu'elles sont, sont aujourd'hui tombées dans le discrédit. On peut leur suggérer n'importe quelle idée. Cela me facilite grandement la tâche. Hein? Les réveillés me donnent bien du mal. Ils ont peur du public, je crois. Ah, Napoléon ouvre un œil. Voilà. Hier, pendant la répétition, ils voulaient réciter des bribes de leur discours célèbre. En fait, ils ne peuvent toujours pas comprendre que j'attends autre chose d'eux. Regardez-les. Ils font semblant. Quand nous sommes seuls, après la représentation, ils commencent immédiatement à palper leurs jambes de bois, leurs faux poumons, leurs ersatz de foie. Oui. Leur enthousiasme ne connaît alors pas de limite. Hein. On ne peut plus les tenir. Une fois, Maximilien a presque décapité Napoléon parce que celui-ci ne s'écartait pas assez vite de son chemin. Si Napoléon avait eu une tête de plus, il aurait perdu sa tête. À cheval! Vers la ville de Bianca! Au secours! Il n'a pas le temps à perdre! Il faut leur couper la tête à travers le bois, vers la rivière! Les verres, volez-vous.
Allez vite. Les vins. Distribue les vins. Les bouteilles. Voilà. Prends un verre et donne à ton voisin la bouteille. Prends un verre. Ah, Joseph, quelle surprise! Ah, je suis content que tu sois venu, Oshke. Hey, Joseph, j'ai encore une petite nouvelle pour toi. Hey, n'arrive pas, hein! Je suis devenu capitaine des pompiers, très de vrai, je m'en félicite. Ignorable, monsieur, dame. Ignorable. Hier dicht gedaan.